Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Breath of Fire. Je suis actuellement dans la tour et je suis revenu au centre, là où il y a les escaliers de la dernière fois où il y avait le gros monstre que je n'ai pas pu battre parce qu'il m'a manqué le courage. Le courage que j'ai retrouvé, qui a fusionné avec tout le monde pour nous donner... je vais essayer de vous montrer... Voilà, Mogu, lui, le faible, quoi, qui nous sert juste à fuir. Et donc, du coup, je vous évitais le backtracking pour sortir de la zone où j'étais, parce qu'il y avait une grande zone où il y avait des chemins spécifiques, et aussi pour revenir au centre. Donc, en gros, il y a 20 minutes de gagner. Et j'espère que tu vas te rendre tout de suite. On va s'ennuyer parce que je... parce qu'il a dit viens me chercher lololol. Et bah MDR. Bon. Ok. Ah oui, puis j'ai refait le plan de B3. Enfin de B pour esquiver les combats. Maintenant que je sais que quel est mon item au bout de 7 heures, il faut que je m'en serve. Il faudrait plus que je... Ouais, c'est ça. Il faut, je pense, la solution, ce serait de se rapprocher le plus possible du centre, à chaque fois. Bon, le premier étage, c'est bon. Deuxième étage. Ok, ça... Ah, la petite feinte. La petite feinte, on aime ça. Ah, j'en ai... Oh, le... Mince. J'en ai utilisé deux. Bon, pas grave. Bon. Je vais pas voir ce qu'il y a derrière, ça semble le piège. Droite, gauche, milieu. Je me tâte. On va dire droite. Ok. Ouais. À moins que. Non, c'était bien à droite. Pas à droite, à gauche. Non. Ah, oula, attendez. Droite, non. Ah, attendez. Ici. Non, rien. J'ai pas. Ah ah. Oh, le bon. Oh, le gros. Ah oui, alors les escaliers maintenant c'est plus. C'est d'accord. Bon, bah, très bien. Ok. Ok. Oui. Ok. Je vais doucement. C'est déjà fini? Bon, bah, on va dire que c'est bon. Bon, bah, du coup, c'était un petit combat. Enfin, c'était un très 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 petit donjon. Et boss. Du coup, le papillon. Ouais, je réfléchis là. Je vais essayer de l'attaquer normalement. Si je peux. Et elle avec son sort si possible. Et Mina va augmenter l'attaque de moi. Ah oh, oh putain. Alors si ça glitch, je crois que c'est normal. D'accord. Est-ce que je dois comprendre? Alors mettons un gros sort. Et Nina va toujours augmenter l'attaque sur moi. Ah bah. Oula, oula, quoi? Oh, contre. Inutile. Il y a des attaques qui passent et d'autres qui passent pas. Mettons. Ah, l'orage, attends.
J'essaie de garder tout le monde en vie. Alors, je veux pas dire, mais ce combat est un peu nul. Je crois que c'est la première fois que je m'ennuie en combattant un boss. Parce que s'il a que poison. Oh, le critique! Aïe! Ah, pas mort. Pas mort, qui fait. Ah, une paralysie, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais si jamais vous voyez le comment dire? Que vous voyez que ça grésille, c'est normal. Alors je pense que c'est normal. Imaginez que on est dans les rêves, donc du coup c'est glitch. Voilà, imaginez comme ça. Je restais sur mon sort d'orage, moi. Ah, c'est ça, Nan. Oh le coup, superbe. Ah, ça c'est moins super. Ah, mais Nan est complètement. D'accord. Heureusement que j'avais acheté des V2. Normalement j'ai V2 quelque part. Ou alors j'ai juste vie. Alors j'aimerais bien qu'une Nina puisse se réveiller. Ce serait une bonne chose. Non. Objet. J'ai pas un gros truc pour mon nouvel. Non, alors déjecte ça, je me fais plus avoir. Ah, un soin. Échec, parfait. Poison sur moi. Écoute, j'ai un soin. Et double échec, parfait. Tu vas attaquer. Ah, parfait. Bleu va attaquer. Va lancer un sort. Et Nina rebouge. Nina sort guérie sur moi. Et un critique qui échec. Je crois que je vais m'ennuyer. Oh putain, on s'ennuie. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Elle sort guérie sur elle. Donc qu'est-ce que ça. Non, ça ne guérit pas le temps mort. Un critique à 204 qui passe. Parfait. Le contre qui ne passe pas parce que je ne comprends pas. Ah, mais je. Non, je n'ai pas compris comment on fonctionne. En fait, je pense qu'il faut que je lance un sort avant tout et ensuite l'attaquer. C'est comme ça que je le vois, perso. Donc, si c'est ça, normalement, beau, l'attaque ne va pas passer. Mais par contre. Voilà, le sort là il va passer. Et ensuite ça passe, c'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. Je crois que j'ai trouvé le bug exploit. Enfin la solution. Là a priori tout le monde va bien, donc on va augmenter l'attaque de Beau. Parfait, et là tout passe. Voilà, tout juste, il faut pas qu'il utilise de sort, sauf que le sort passe, et donc du coup elle redevient tangible, et ça passe. Je comprends le pattern. Il faut que je garde ce pattern jusqu'à la fin. Nina, tu vas te guérir. Ah, non, ça ne marche pas. Oh, ça avait pas frappé. Par contre, là, il est long, le critique qui passe. Ah la vache, c'est long comme combat. Est-ce que c'est dû à l'énorme probabilité de. Bah, d'ennui, quoi. Enfin, l'énorme probabilité de. Ah, c'est comment le mot. L'énorme probabilité d'esquive, en fait, lui. Soit il prend des soins PV. Alors tu lui sert à rien. Réduit les dégâts magiques, ça sert à rien. On va continuer à augmenter l'attaque de moi. Le critique qui ne passe pas.
le poison sur Nina. Ça a priori fonctionne. En fait, il n'y a que les sorts qui passent. Les sorts passent instant, les attaques tac, ça ne passe jamais. J'avoue que là, ce combat de moi, c'est long. Il n'y a aucun plaisir, aucune... Non, il n'y a rien. C'est... On s'ennuie. Ah, ça y est, c'est fini. Ah bah, parfait. Bah, c'est très bien. Oui. Je suis piégé dans ce monde à tout jamais, donc... Oui. Très bien. Mais en fait non, parce que je suis dans le monde tangible, enfin dans le vrai monde de la réalité véritable. Ouais, et donc j'ai fait un rêve et j'étais là. Je crois que j'ai vu une ligne de texte qui était pas dans la bulle. Je m'en fous tellement que tu viens avec moi. Voilà donc Mogu, ou Mogu, je ne sais pas trop comment le dire. Vous allez revoir. Du coup, je vais un peu explorer tout ça parce que j'en ai pas profité. J'en ai pas profité du tout. Ah bah parfait, petite save. Petite save qui va bien. Incroyable, le timing est parfait. Donc voilà, j'ai ma save. Bon, ensuite. Alors ensuite, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille, donc déjà, première chose que j'apprends... Alors attendez, c'est incroyable ce qui va se passer. Il faut que je mette... il faut que je mette Mogu en premier. Alors attention, on va se passer un truc de ouf là. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il creuse, c'était son attaque spéciale. Enfin, son truc spécial. Ouais, j'ai obtenu la racine. Et ça... Non. Et donc j'ai obtenu une racine, c'est... super trop bien. Alors attends, faut que j'essaie de comprendre ce que le jeu veut que je fasse. D'accord, très bien. Eh ben, le jeu veut que je me téléporte pour creuser. Je suis toujours en train de m'aider de la Suisse. Hein. Je ne suis pas en train de tricher, c'est pour m'aider. Alors, il faut que je me téléporte à Tantar et que j'aille à des endroits mystiques, mystérieux. Toujours avec Mogu en première ligne, hein, évidemment, parce que j'aime la difficulté. C'est une de mes grandes passions. De mes très très grandes passions. Sachez-le, d'ailleurs, Shin... ça. Shin... paf. Et il faut que je suis... Ah mince, la B3 ne marche plus. Bon bah, ok, pas grave. 343 avec ses griffes, ouais, ça va. C'est pas faible, c'est pas ultra faible, mais c'est pas ultra fort. Et donc il faut que je descende ici. À mon dieu, des momies, des zombies, des choses. Alors il y a un contre qui est sorti de je ne sais pas où. Du très fond de mon cul et de la RNG de ce jeu. Voilà. Il y a tellement d'animaux.
Est-ce que je peux en bloquer un? Oh, attendez, je vais le faire devenir fou. Voilà, là, l'animal devient fou. Il y a un moment où il va se transformer. Vous pouvez faire un gif en attendant, c'est... ça pourra être utile. Il n'y a plus de musique. Est-ce que c'est... pourquoi il n'y a plus de musique? Ah non, je crois savoir pourquoi, alors attendez. Voilà, parce que mon curseur s'était barré. Et du coup, je sais plus où je suis, parce que c'était pas là où je devais aller. Et en fait, non, je suis allé un poil trop loin. Donc sachez-le, faites attention lorsque vous ne conseillez pas ce que vous faites, c'est que votre curseur, eh ben, n'existe plus. Bon, par contre, on va peut-être utiliser une B3. Alors, donc il y avait là où il y avait une tête de dragon. Pour découvrir, attention, un petit nœud. Mogu est mort, donc. Je comprends plus rien. D'accord, donc des gros objets. Ça c'est pas mal les trucs qui augmentent. Donc des objets. J'étais juste venu pour ça, il semblerait. Et ensuite je dois me téléporter à l'endroit. C'est toujours pas start. Et qui est parti sur 10. Alors, attendez, je regarde juste pour vérifier un truc. D'accord. Donc là, en fait, le jeu va me faire déterrer tous les trucs de dragon. C'est logique parce qu'on est passé devant et qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Je crois que c'était pas là du tout. Non, c'était absolument pas là. Sauf que là il y a une forêt. Et pour traverser la forêt, il me faut beau. Voilà, beau traverse les forêts. Non, t'es pas ici. Voilà, c'est... voilà. Voilà. Parce qu'il y a des trucs de dragon, encore une fois. Oh, qu'est-ce que c'est bon que cela? Qu'est-ce que c'est que c'est? Oui, la vitre ne fonctionne plus. Oh, mais c'est un autre pouvoir. Parfait, et c'est que Karn évidemment qui peut l'avoir. D'accord, donc il faut que je défusionne.
Et j'ai appris. Attention. Un sort de simulation et ce sort est disponible sur Terre car on a fusionné un bon jeu. Il a fusionné avec il n'a pas fusionné avec Gobi, il a fusionné avec lui pour donner attention une tête de oh putain, il est moche. Il a des sorts. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est moche. Quoique, il sera peut-être plus puissant. Oh la vache. Oh. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est. Ah là, mon dieu. Bon. Ensuite. Ah, et ensuite... Ah, ok, et ensuite, pour le dernier mot de pouvoir, et puis on va s'arrêter là. J'ai pas vu, merde. Faut que j'en tourne à... Ok, Ah oui putain, c'est triste et pas... Ah, je déteste comment ils ont changé les noms anglais. Les noms français. Putain, on aurait pu tout faire dans ce coup, mais non. On veut pas. Parce qu'on est des connards. Parfait. Alors, il faut juste maintenant que je trouve la maison. Ok, c'est la maison juste au-dessus. Et c'est celle-ci. Ah mon dieu, j'ai tombé. Et puis on va s'arrêter là. Parce que ça aura duré sans doute un petit moment pour vous. Et que j'ai pas envie de vous faire tout. Oui. Merde, il me calme. Ah, le fusion. Et donc là. Ah non. Ah voilà. Donc en fait nos sorts c'est des sorts de fusion. Donc quand le truc il me dit c'est disponible sous l'eau, ça doit être que c'est avec Gobi et Gobi et sans doute la sorcière. Et attention, je connais un sort de simulation. Et ce sort est celui de. Le personnage fusionne. Attention. Oh là là, là c'est les trois, et là ça ne rigole plus. Gobi, Bo et Ox, ainsi que Karn qui donne. qui donne ça. Ce truc. Attendez, attendez. Je veux savoir l'efficacité de ça. Je veux savoir l'efficacité de ça. Je veux savoir si c'est vraiment puissant ou si on se fout de moi. C'est dans cette défense. Attends, vas-y, attaque-en juste une. Je pense que là, je me sens un peu... je me sens juste sale. Ah là. Ah la vache. Ah qu'est-ce que c'est que cette merde. Ah là là. Bon, sur ce, je vais revenir à la ville. Non, flûte. Parce que Nick. Revenir à la ville, au moins pour nous laisser sur ce. Oh sur ce. Sur cette fusion. Cette fusion tellement laide. Ah. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode que je ne sais pas comment appeler parce que je sais pas quoi dire dessus. Vu que là on a récupéré les derniers pouvoirs.
Ouais, c'est principalement ça, en fait, on a récupéré les derniers pouvoirs. Donc, merci à tous de regarder la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, de vous suivre sur Twitter, tout ça. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire.